Gauthier, c'est une blague ou quoi? Ça peut te foutre, je suis en train de me branler. Ah bah écoute, tu veux un petit coup de main? Marion et Anso, 22h minuit, du dimanche au jeudi sur Fun Radio. On avait reçu une année Jimmy Laveu qui l'avait fait. Il avait fait une très belle performance. Pourquoi tu m'appelles? C'est très simple, Gaël, c'est un canular. On appelle au hasard en France, donc je sais qu'il est tard, mais on s'en fout, on appelle. Ça peut même être à l'étranger, hein. Parfois on appelle au Québec ou autre. Et il faut dire pourquoi tu m'appelles comme si t'étais celle qui était dérangée. Et après, il faut tenir le plus longtemps possible. Genre, pourquoi tu m'appelles? Je comprends pas, mon téléphone a sonné. Tu peux prendre la stratégie que tu veux, tu peux faire genre tu reconnais la personne, tu peux faire genre tu viens de te faire réveiller. Tu peux insulter, partir en couille. Le but, c'est vraiment de tenir la personne pour pas qu'elle raccroche. Ok. On va te montrer l'exemple. On va faire une petite battle Anso Gaël. Allez. Et je dirais même, puisque on est dans le sale et Gaël a sorti son titre sale, on va te présenter un personnage de l'émission qui est Anso 6. C'est une petite fille maléfique de 8 ans qui parle de cul tout le temps et qui est dégueulasse. Bonsoir Anso 6. Salut bande de bâtards. Et j'aimerais que tu fasses le pourquoi tu m'appelles en Anso 6. D'accord. Tu vas te mettre des choses dans les fesses, des pastèques, des micros, tout ce que tu veux. C'est à vous de me dire, qu'est-ce que je me mets dans les fesses, Gaël? Oh là là, il y a tellement de choix. On part sur... intercalaire. Waouh, intercalaire. Un intercalaire simple à faire passer ça. Hein. Ouais, moi je te mets une aiguille, tiens, par rapport au tatouage. Ouh, ouais. Thibault Laria. Je sais que t'adores te mettre des guitares dans les fesses. Donc, guitare. Mais elle placera jamais tout ça, la pauvre. Ouais. Ah si, je suis. Allez, c'est la petite difficulté. Moi. Montre-lui l'exemple. C'est le pourquoi tu m'appelles. On appelle vraiment au hasard. Je suis désolée. Je sais qu'on réveille des gens. C'est le jeu. Il est 23h18. C'est parti, en piste. Go. Cette musique, elle est pire qu'insupportable. Ouais. Tu le sais, ça. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Pourquoi tu m'appelles? Ça m'arrange pas des masses. J'étais présentement en train de me mettre une guitare dans le cul. Et c'est vrai que pas facile. Allô? Allô? Est-ce que je vous ai parlé de l'intercalaire? Mais elle est chiante, elle rigole tout le temps, du coup les gens raccrochent. Mais parce que cette voix d'enfant peut descendre pas dire ça. Tu sais pas tenir comme ça pendant 5 minutes. Ah si, parfois on tient pendant 2-3 minutes. Tu veux que je te montre? Allez, j'en fais un. Allez, putain. Nickel, crâneuse. Mais c'est clair. Puis toi, t'as pas de guitare dans les fesses à te mettre. T'inquiète, ils foutent l'aiguille, toi aussi, hein. Méchant chat. Après, ça sera au tour de Gaël. Après, on peut avoir de la chance ou pas. Ouais. Parfois, il y a même des gens qui pensent nous reconnaître. Ah ouais, genre c'est Martine. Pardon. Ouais. N'hésitez pas à décrocher par contre les gens. Trop tôt pour dormir, bordel. Allô? Oui, allô? Oui. Oui? Bah, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bah, mon téléphone a sonné, pourquoi tu m'appelles? Alors, pourquoi tu m'appelles? Alors, moi je vous ai pas appelé, vous venez de m'appeler là. Ah? Je sais pas qui vous êtes. Un numéro masqué, on m'a appelé tout à l'heure, là, mais c'est un monsieur. Bon. Les autos, c'est pas vous. Bah non, voilà. Alors j'ai l'impression qu'on est peut-être un bug de réseau, madame. C'est... Ah non, oh. Ou alors c'est une blague. C'est... Ah non, c'est pas c'est Laurence. Bah ah Laurence. Non, c'est pas Laurence. C'est pas toi, Laurence? Non, non, bah alors ça c'est marrant. Désolée. Ça m'embête quand même parce que 23h20, je sais pas ce que vous faites vous, mais 23h20, on est. Ah, 23h20? Ah non, mais je suis en Guyane moi. Ah, vous êtes en Guyane? Ah bah forcément, il y a le décalage horaire. Bah alors c'est peut-être un problème de circonférence. Mais non, mais vous m'avez appelé, c'est pas possible. Bah, je vous ai pas appelé. Non, moi j'étais là tranquillement en train de me mettre un intercalaire dans les fesses et mon téléphone a sonné. Parce que moi je suis. Bon. Ah, bon, bah d'accord. Au revoir, merci. Bah, au revoir, Laurence, alors, du coup. Hein. Et vive la Guyane. Ah oui, non, mais c'est l'intercalaire. Ouais. Il n'est pas passé, l'intercalaire. Et mine de rien, ma Laurence, j'ai réussi à la tenir combien de temps? 1 minute et 7 secondes. Eh ouais, pas mal. Allez, Gaël. Putain, c'est chaud, hein. Mais non, 1 minute et 7 secondes. Ouais, tu peux le faire, on appelle au hasard. Moi, j'ai encore perdu. C'est pas grave, Anne-Sophie. Je suis dégoûtée. Tu te mettras un Jimmy dans les fesses. Ça décroche pas, ça me stresse. Allô? Oui, dis-moi. Allô? Allô? Bah, ouais, je t'écoute. Pourquoi tu m'appelles? C'est qui? Bah, enfin, c'est Martine. Quoi? Gauthier, c'est Martine. Quel Gauthier? Je m'appelle pas Gauthier. Ah, mais attends, c'est trop bizarre. Hein? Mon téléphone a sonné et je viens de décrocher. Pourquoi? C'est toi qui viens de m'appeler, oh. En plus, en masqué.
Mais rien à voir. Toi, tu m'appelles en masqué. Gauthier, c'est une blague pas, ou quoi? Je suis tranquille. Toi, tu m'appelles en masqué, t'es fou quoi. Ah, t'es tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça peut te foutre, je suis en train de me branler. Ah, bah écoute, tu veux un petit coup de main? Non, c'est bon, j'ai fini. Ah, allez, t'as terminé. Ciao. Ah, mais vas-y, attends, Gauthier, ne t'excite pas. Non, raccroche là. Ah, mais t'es vraiment en train de te branler en fait. Je suis vraiment en train de te déranger là. Allô? Ah. Tu es encore là? Allez! C'est pas mal, hein? Merde! Ah non, c'est pas mal parce que vu comment le gars était vénère, tu l'as tenu quand même super longtemps. Il était fâché! Il était pas content. Il était pas content, Thibault Larrea. 45 secondes alors. Ah, c'est pas mal, elle est deuxième quand même. Bravo, Gaël. Ah, si, d'ailleurs, mon amour, je sais qu'il m'écoute et ça, il le sait pas. Fais gaffe, Jimmy. Et ça se voit que c'est un canard. En plus, je suis sûr, c'est un vrai canard. Bah justement, puisqu'il écoute, je pense qu'il sera ravi d'entendre cette question. Bravo. Tu dois en faire des choses sales avec Jimmy. Il te fait la mort quand t'as tes règles? Non.